Spacey Soulful Groove. Smooth Soulful Groove in E minor. Ça, ça veut dire E mineur, Mi mineur. Pentatonique, on va commencer par la 12e fret ici. Ouais, la gamme qu'on connaît tous. Normalement. Et là, je suis allé jouer aussi à l'octave plus bas de la même gamme. Hein, on se suit. La fret 0 ici, c'est la même que la fret 12. Et dans ce cas ici aussi, dans l'intro, je suis allé jouer un peu avec la 5e boîte pentatonique qui se trouve juste en bas de la première, parce qu'on sait que ce sont des blocs Lego qui s'imbriquent les uns dans les autres. Donc ici, c'est la première, deuxième, troisième, quatrième. La cinquième est juste avant le recommencement ici. Donc, celle-là juste un peu plus bas. Ok, ça, ça devrait être familier. Puisqu'on présuppose que vous connaissez la gamme pentatonique. Donc, en Mi mineur, ce qui est le fun, c'est que là, je rajoutais aussi la neuvième toujours. Hein, la neuvième, facile à trouver, c'est quand vous avez votre ligne droite de gamme pentatonique. Mais juste une frette plus bas sur la corde de sol. C'est toujours le fun dans un contexte comme ceci de rajouter un petit vréon, vréon, juste un petit tout côté gamme. Tout côté gamme. On peut faire. Oups. Ou bien. N'importe quel de. Le gamme. Ça peut être cool. Une façon facile de faire ça, c'est juste faire un rake. Juste tic-tic-tic. Tic-tic-tic. Il n'y a pas de note. C'est pas C'est comme un sweep picking faux. Un faux sweep picking. C'est-à-dire, on fait juste. On bloque avec la paume. Ou avec la main gauche ou les deux. Puis on fait. On va faire un petit rayon. On va prendre une gamme normale et on rajoute le rayon dedans. Écoutez ça. On va faire. Rayon. Ça, c'est un truc facile que vous pouvez utiliser n'importe quand. Là, on sait entre nous que c'est facile, mais quand on l'entend dans un contexte que la personne ne s'attend pas à ça, ça fait « Ouh! C'est quoi ça? C'est donc bien le fun! » Allons-y, qu'est-ce qu'on avait ça? On avait aussi Ça, c'est un classique de Pink Floyd et de plein d'autres personnes. C'est quand on t'en mis comme ceci, ça sonne très bien avec la guitare électrique, c'est qu'on a ceci ensemble. L'extension de ta première boîte pentatonique. Pour se situer, mettons que tu es dans la boîte à Stevie Ray Vaughan. T'es dans ta première boîte ici. Et là, on sait qu'il y a l'extension de ta première boîte qui fait comme une petite maison ici. Cette petite boîte, cette petite maison que vous connaissez tous, mais on prend ces deux notes-là de la petite boîte. Mais en Mi, on garde la petite corde ouverte. Et on fait les trois notes ensemble. Et pendant que ça résonne, pendant qu'elle résonne, on déglisse, on débène, on slide par en bas. De la quatrième à la deuxième fret. Ça fait ceci. Mais pendant ce temps-là, pour avoir cet effet-là, on garde la petite corde ouverte pour qu'elle résonne. Écoutez ça. Il y en a qui m'ont demandé comment qu'on fait le petit l'espèce de petit truc à la Chris Buck ou John Mayer fait ça des fois aussi, l'espèce de petit comment qu'on fait ça. C'est simple. Dans ton esprit,
tu penses à ta note de destination. Mettons, ça, c'est ma destination. OK, je vais faire... Ça, c'est ma destination. OK? Celle-là, ici, c'est ce qui compte sur le beat où tu la veux. Et juste avant de jouer cette note-là, tu la joues avec une attaque. On appelle en anglais « slur ». Slur, c'est comme quand vous entendez quelqu'un parler en français, mais la personne a consommé trop d'alcool, on va parler un petit peu comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un slur. À place de faire, ça fait... Donc, on peut le faire vers le haut ou vers le bas, mais c'est important que ça ne soit pas ceci. On ne veut pas entendre la note de départ, juste la note de destination, et le faire plus rapidement que l'oreille humaine peut saisir que ces deux notes. Fait que ça sonne comme une note, mais... OK, c'est ça qu'on fait. On va faire, mettons... C'est quoi ça? On fait ici... C'est quoi? Ça, ça s'appelle un pre-bend. Pre-bend dans la mesure que pre comme précédent, bend comme bendé. Donc, avant de frapper la note, je la bend. Avec la mémoire musculaire approximative de à quel point il faut bender la note pour avoir la prochaine. On sait pas au début, mais avant un certain temps, on a une idée de la mémoire musculaire. Je sais que c'est ici. Là, je vais jouer et je débène. Je joue. Et je débène. Et là, vous connaissez le truc de monter le volume pour ajouter du sustain, alright? Ça, là, pratiquez ça des heures. Man, c'est tellement le fun! Allons-y comme ceci. On peut faire partout dans la pentatonique. C'est le fun, je connais pas les accords, je connais pas la chanson, fait que ça a comme bien tombé là, pendant les changements. Après un certain temps, on développe une petite oreille de dire, OK, ça c'est les changements qui s'en viennent. Même quand on connaît pas la chanson, on a une idée approximative d'où ça s'en va. Comme quand, mettons, ta conjointe essaie de te compter une menterie puis tu la vois venir d'avance, tu sais. Un peu la même chose avec ça aussi. Alors ça, c'est ce qu'on aurait comme le pedal-down. J'ai fait dans plein de contextes pour vous montrer des exemples. E mineur pentatonique, les 5 boîtes, c'est sur ma chaîne partout, ça se trouve sur Google Images, vous l'avez là. Si tu joues de la guitare depuis un certain temps, puis t'es sérieux, puis tu connais pas tes 5 positions de gamme pentatonique, man, come on! Le plaisir que tu vas avoir pour le restant de ta vie à jouer avec ça, ce n'est même pas juste. Et ça te fait aussi sortir tous les secrets de presque tous les solos de rock que tu trouves cool. Ceci étant dit, pour le secret d'arrêter d'avoir une présence de chenille sur la scène et être gêné de jouer en public, ben là, va sur mon site web, vaincre la peur de jouer en public.com. Processus de 6 semaines garanti à vie. Mais entre-temps, tes gammes. OK? Le plaisir que tu vas avoir, ça n'a pas de mots. Et les seules personnes qui peuvent comprendre, ce sont les guitaristes. Et on parle de ça en guitariste des fois. T'sais, on se dit... Man, comment t'expliquer à quelqu'un qui sait pas c'est quoi, à quel point c'est le fun? Il n'y a pas de façon d'expliquer. C'est vraiment le fun.